Bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel pour pouvoir participer, bien évidemment, à la croissance de ce channel. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton j'aime. Avant même de regarder la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Montrez-moi votre soutien. Alors c'est parti, on va commencer donc une lecture ici pour les Lions. Tous les autres signes zodiaques sont aussi invités sur cette lecture. Et je vous dirai les signes que je vois dans cette lecture, ok? Alors, les lions. Les lions, vous êtes parti d'entre vous. Il est probable que vous avez ici décidé de conquérir le monde. Vous avez peut-être ici décidé de partir à la conquête de vos rêves, à la conquête de vos désirs. Et ici, des choses que vous voulez accomplir. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous voulez avoir une promotion. Vous voulez aller à un autre niveau dans votre carrière. Vous cherchez une promotion. Pour certains, vous avez décidé de vous dépasser dans votre travail, de vous concentrer sur votre travail. Couper tout ce qui est en rapport avec distraction. Vous voulez couper toute distraction pour vous concentrer sur votre art. Je vous vois ici perfectionner votre art dans un certain sens. C'est comme si vous êtes ici en train de transformer une matière première, une matière beaucoup plus sophistiquée. Vous commencez ici à rendre des choses beaucoup plus professionnelles. Vous devenez professionnel. Il y a ici le besoin de devenir professionnel dans quelque chose. Peut-être que vous travaillez sur les réseaux sociaux pour certains. Pour d'autres, il y a aussi de fortes possibilités que vous cherchiez à commencer un travail qui va carrément vous amener à beaucoup voyager. On a ici quelque chose qui est en rapport avec l'Occident, quelque chose qui est en rapport avec voilà, les pays étrangers, les pays occidentaux. Probablement que vous voulez faire des investissements dans un pays qui est à l'étranger. Vous voulez faire des investissements dans quelque chose. Mais je vous vois ici préparer votre avenir. C'est un peu comme si du jour au lendemain, il y a un switch, un changement plutôt radical dans votre direction, la direction de votre vie. Vous avez décidé de prendre les choses en main. Vous ne voulez plus faire les choses avec les autres. Vous ne voulez plus faire les choses avec les gens. Vous ne voulez plus faire les choses de la manière dont les gens font les choses. Pour une partie d'entre vous, je vous vois ici commencer à vous intéresser à la peinture. Vous risquez de commencer à beaucoup vous intéresser à la peinture, au dessin. Pour d'autres, peut-être même que c'est ce que vous faites. Vous êtes dessinateur, dessinatrice. Vous êtes peut-être aussi top modèle. Il y a quelque chose ici comme ça qui se passe. Et je vous vois vraiment perfectionner votre art. Pour une partie d'entre vous, je vous vois écouter la musique, travailler. Il y a quelque chose ici qui change. Votre manière de voir les choses change. Votre manière de vous voir vous-même change. Pour certains, peut-être aussi que vous avez un tatouage de papillon quelque part sur votre corps. Vous pouvez aussi ici être lion ascendant. Pour certaines parties d'entre vous, il y a quelque chose ici que vous vous apprêtez à terminer, fermer, couper. Je vois ici quelque chose qui est fermé, une porte qui est fermée, une porte que vous voulez fermer. Pour certains, je vois ici un dossier qui est fermé. Donc, si vous aviez un dossier qui était à l'immigration, un dossier qui était à l'immigration, un dossier de voyage, je vois ici quelque chose qui est fermé. Pour d'autres, si vous étiez en train de déménager, il y a de fortes possibilités que vous avez désormais déménagé. Il y a quelque chose qui est terminé. Pour une autre partie d'entre vous, les énergies aussi ici que je ressens sont des énergies de la fin d'un ancien cycle et le commencement d'un nouveau cycle. Mais il faut que quelque chose se termine pour que quelque chose de nouveau commence dans votre vie. Pour une autre partie d'entre vous, il y aura carrément un changement de chapitre, un changement de chapitre dans votre vie. La manière dont vous vous identifiez dans le passé, ce ne sera plus la même manière dont vous vous identifiez aujourd'hui. La manière dont les gens vous ont connu dans le passé, ce ne sera vraiment plus la même manière dont les gens vont vous connaître aujourd'hui. Les choses vont commencer à devenir beaucoup plus professionnelles, les choses vont commencer à devenir beaucoup plus raffinées, les choses vont commencer à devenir beaucoup plus intéressantes. Pour d'autres, il y a ici quelque chose qui est en rapport avec vous prendre beaucoup plus sérieusement que d'habitude. Donc, je vous vois ici vous prendre beaucoup plus sérieusement que d'habitude. Pour une autre partie d'entre vous concernant une relation amoureuse, il est probable que vous voulez prendre une relation amoureuse beaucoup plus sérieuse que d'habitude. Il y a la fin d'un cycle dans une relation sérieuse et le début d'un nouveau cycle dans cette même relation. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez toujours été un coureur de jupons, coureuse de jupons, non, coureuse de pantalons, un coureur de jupons ou une coureuse de pantalons, vous avez décidé d'arrêter tout ça. Si vous aviez pour habitude d'être la maîtresse de quelqu'un, l'amant de quelqu'un, vous avez décidé d'arrêter tout ça. Pour une partie d'entre vous, si vous aviez pour habitude d'être rabaissé, dans un certain sens, vous avez décidé d'arrêter de laisser les gens vous rabaisser, d'arrêter de laisser les gens vous dicter votre manière de faire, vous dicter votre manière de vous conduire. Je vous vois ici, en tout cas, mettre fin à quelque chose. Mais c'est encore une fois, ça me rappelle le papillon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est un peu comme une chenille qui est sur le point de se transformer pour devenir un
papillon. Pour d'autres, c'est votre relation amoureuse qui est sur le point de se transformer pour devenir peut-être un peu plus sérieuse. Pour une autre partie d'entre vous, si vous étiez ici dans une relation à distance avec quelqu'un, il y a une décision très radicale que vous êtes en train de décider de prendre ou encore que votre partenaire risque ici de prendre. Mais je vois ici quelqu'un qui veut carrément arrêter une relation qui est à distance. On a ici quelqu'un qui ne veut plus être en couple avec une personne qui est à distance. Pour certains, il y avait peut-être même ici des promesses de mariage, des promesses de célébration. Je vois ici quelqu'un qui veut mettre fin à tout ça. On a peut-être ici quelqu'un qui veut plus se marier. On a peut-être ici quelqu'un qui veut rester célibataire. On peut ici avoir affaire à une personne qui est scorpion. Tant il est probable que vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui est scorpion. Pour d'autres, par contre, sûrement que vous avez rencontré un scorpion, vous êtes tombé amoureux, amoureuse d'un scorpion. Mais on a quelqu'un qui n'est pas vraiment intéressé à une relation ici avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez perdu le contact d'une personne, s'il y a ici quelqu'un avec qui vous ne parlez plus à cause de la distance, il y a de fortes possibilités que vous risquez d'apprendre que quelqu'un a eu une promotion ou encore vous risquez ici d'apprendre que quelqu'un est devenu quelqu'un d'important dans la vie. On a ici aussi une personne qui veut ouvrir son propre business, sa propre entreprise. Pour d'autres, après la finalisation d'un divorce ici qui a eu lieu entre vous et une personne, vous voulez peut-être ici ouvrir une entreprise, ouvrir votre compagnie. Je vois ici quelqu'un qui veut être seul, qui veut rester seul. Sauf si jamais vous êtes ici dans une relation à distance avec une personne, il y a de fortes possibilités qu'une personne essaye de mettre fin à cette relation-là une bonne fois pour toutes. Il y a peut-être même ici quelqu'un qui ne répond pas à vos messages, quelqu'un qui ne répondait plus à vos messages. Pour une autre partie d'entre vous, on a peut-être même ici quelqu'un qui peut-être vous a bloqué. Pour d'autres, si vous voulez ici vous réconcilier avec un mari, recommencer une relation avec un mari, retrouver votre relation avec votre mari, pas de possibilité que ce ne soit pas possible. On a ici quelqu'un qui ne veut pas vraiment reprendre un mariage avec une personne. Pour d'autres, peut-être même que c'est ici quelqu'un avec qui vous aviez eu un fils et puis vous avez perdu votre fils avec la personne. Peut-être que vous étiez enceinte d'une personne, vous avez perdu l'enfant. On a ici quelqu'un qui ne veut pas recommencer une relation. On a ici conversation, divorce. Je vois ici une personne qui demande pardon. Pardonne-moi, ne me laisse pas, ne divorce pas, reste avec moi. Essayons de rester ensemble. Rappelle-toi ce que nous avons eu. Pour une autre partie d'entre vous, on a peut-être ici quelqu'un qui trouve que vous avez changé depuis la mort d'une personne dans votre famille. Donc, il y a peut-être ici eu un décès dans la famille de quelqu'un et on a ici quelqu'un qui a changé de comportement depuis le décès d'une personne. C'est ici une relation à distance. Pour une autre partie d'entre vous, si vous étiez marié ou encore si vous étiez censé vous marier et puis vous n'avez pas pu vous marier, on a ici les anges qui veulent vraiment que vous soyez patient avec vous-même, que vous soyez patient avec le temps de Dieu. Il est probable que vous vous marierez, mais le moment n'est pas encore arrivé. Le moment, ce n'est pas encore le moment ici de lancer une procédure. Ce n'est pas ici encore le moment d'avancer dans un mariage. Pour certains, concernant vos finances, je vois ici un renouvellement dans vos finances, un certain changement dans votre vie professionnelle. C'est intéressant tout ça. Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient me parler en privé, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo. Portez-vous bien. Bisous, bye bye.